Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Il est 19h30, passé d'une minute. Nous allons pouvoir commencer cette troisième partie qui va être consacrée à l'interprétation spécifique, c'est-à-dire complexe par complexe et espace par espace et le segment, bien évidemment, le fameux segment ST. Alors, qui pourra m'aider pour faire entrer les retardataires? Pas, docteur Ben. Docteur Ben, tu te portes volontaire pour m'aider? Donc, je vais te chercher sur les participants. Tu es là. C'est bon, donc tu es désormais co-animateur, donc tu fais rentrer les personnes au fur et à mesure. C'est bon, on commence à la barcatiller. Allez. Vais couper les micros. Là, vous êtes habitués normalement. C'est bon, on peut commencer? Donc, rappelez-moi les quatre éléments de la validité déjà. C'est-à-dire le very VIP, ça veut dire quoi? Vitesse, voltage, parasitage et inversion des phi. Vitesse, voltage, parasitage et inversion des phi. La vitesse, c'est combien? Allez, 25 quoi? 25 mm par seconde. Le voltage, c'est combien? Le voltage, c'est combien? 10 mm par 1 millivolt. Parasitage, il y en a combien de types de parasitage? C'est-à-dire les deux, il y a les sectoriels, il y a les musculaires. Inversion du fil en frontal, comment? En frontal, comment on va le détecter? AVR négatif, P positif en D1. Et en précordial, comment? C'est le R qui progresse harmonieusement. Marche. Pour l'interprétation générale, c'était quoi les quatre items? La star. C'est quoi la star? SC sinusal, le TC, le tempo, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, le AC, c'est l'axe, et le R,
le rythme. Est-ce qu'il est régulier ou pas? Ça marche? D1 positif, AVF positif, l'axe est comment? D1 positif, AVF positif, l'axe est comment? Est normal. D1 négatif, AVF positif, l'axe est comment? Il est droit. D1 négatif, AVF négatif, et D1 positif, AVF négatif, on fait quoi? Docteur Ben, tu peux couper le micro? On va voir D2. C'est positif, donc l'axe est normal. C'est D2 négatif, l'axe est définitivement gauche. C'est bon? C'est clair? Docteur Ben, tu es là? Docteur Ben? Alors écoute-moi, celui qui va activer son micro la prochaine fois, tu le supprimes. Tu ne le mets pas en mute. Il sort de la rue. Tu sais quand? Juste un clic droit, tu supprimes. Comme ça, c'est réglé. C'est bon? Parce que je pense que c'est un manque de respect par rapport à tout le monde. On est en notre troisième jour, et on est habitué. Soit qu'on est dans l'atelier, soit qu'on est avec les enfants. Moi aussi, j'ai des enfants et je ferme ma porte. Ma chance que je suis concentré avec vous. Amen, docteur Ben? Amen. Alors maintenant, on va commencer les choses sérieuses pour cette session, c'est-à-dire l'interprétation spécifique. D'accord? Et on va suivre, c'est-à-dire les incidents électriques un par un. Alors, ça commence par quoi le CG en général? Parlons de P. Très bien. Quand je veux interpréter l'onde de P, quelle est la question que je vais me poser d'abord? C'est clair, il n'y a pas plus logique que ça. Pour interpréter quelque chose, il faut qu'il soit d'abord présente. Pour interpréter quelque chose, il faut qu'il soit d'abord présent. Nous avons deux cas de figure. Alors, j'insiste, quand elle est présente, sans aucune hésitation, il faut être sûr, c'est une onde P. Pas ferme, peut-être, pas ça, je suis passionnant, il faut qu'on soit sûr, c'est une onde de P. Et croyez-moi, avec le temps, plus vous voyez des ECG, plus vous allez reconnaître l'onde de P. Allez. Soit qu'elle est, soit qu'elle est, non, quelle est la première question? Est-ce qu'elle est présente? Soyez logique, pas plus simple. Soit qu'elle est présente. Ok. Soit qu'elle est absente. Est-ce que c'est clair? Logique. Maintenant, elle est présente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'interpréter et chercher ce qu'elle est normale ou pas. Pour interpréter des ondes, on peut interpréter trois choses dans les ondes. Lesquelles? Des complexes. On cherche chaque complexe en général. On interprète la largeur, la hauteur et l'axe. Vous savez que même l'onde P, elle a son axe. Sauf qu'elle est un peu, c'est-à-dire dominée par l'axe des ventricules. Donc, on va se contenter par interpréter quoi? On va se contenter par interpréter l'amplitude, c'est quoi? L'amplitude revient à dire quoi? La durée. Pardon, la largeur, c'est la durée. Et l'amplitude, c'est le voltage. C'est clair? Alors, en travaillant
très souvent cet atelier, j'avais créé un troisième carreau. Et ce carreau s'appelle le carreau moyen. Regarde. Vous avez vu ce carreau moyen? Il a combien de côtés ce carreau moyen? C'est le carreau moyen. Carreau moyen. Très bien, notez-le sur vos bloc-notes. C'est le carreau moyen. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'une entropie normale, allez-y. Une entropie normale, elle doit s'inscrire au milieu du K. Il ne doit pas dépasser le K. Rappelez-vous de ça. L'entropie, c'est le carreau moyen. L'entropie, c'est le carreau moyen. Ça veut dire l'entropie en termes de durée ne doit pas dépasser combien? Réfléchissez et utilisez les notions que nous avons vues hier. En termes de temps, il ne doit pas dépasser combien? Très bien, il ne doit pas dépasser 0,10 secondes parce que ce sont deux carreaux et demi. Donc c'est 0,04 plus 0,04 plus 0,02. Donc c'est 0,10. Éventuellement, on n'est pas à 0,05. Et en termes de voltage, il ne doit pas dépasser combien l'onde de P? Allez, en termes de voltage, combien? Parce que ce sont deux petits carreaux et demi. Donc, c'est 0,25 millivolts. Donc, notre onde P doit se maintenir dans ce cas. Ça marche. Maintenant, si l'onde de P devient ample, elle devient comme ça. Vous pensez à quoi? Vous allez penser à l'hypertension artérielle, pardon, à l'HAD, l'hypertrophie auriculaire droite, bien sûr. En rapport avec quoi en général? Avec des pathologies. En général, c'est des pathologies pulmonaires. D'accord? Pathologie pulmonaire. Ça peut être soit un truc aigu, comme. Non, l'OAP, c'est le côté gauche. Un truc aigu comme l'embolie pulmonaire. Ou un truc chronique comme quoi? Un truc qui donne de l'HTAP chronique. Il y a quelqu'un qui fume beaucoup et tout. Voilà, le BPCO avec le cœur pulmonaire chronique. Donc, l'onde P, quand il devient ample, souvent, c'est un rapport avec une pathologie pulmonaire. C'est pour cette raison que nous appelons quoi? Comment on appelle cette onde P de cette façon? Nous l'appelons aussi une onde P pulmonaire. Très bien, parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est des pathologies pulmonaires qui sont derrière. Vous comprenez que, entre autres, si un patient se présente dans votre cabinet avec une gêne respiratoire, vous trouvez une HAD, il faut penser, entre autres, bien sûr, à l'embolie pulmonaire ou au CPC. Maintenant, vous avez une onde P qui est comment? Vous pensez qu'elle va devenir comment cette fois-ci? Large, regarde. Il devient large. Vous vous rappelez le premier jour, la première partie de l'atelier, on avait dit que la première partie de l'onde P, elle dépend de l'oreillette droite, et la deuxième partie de l'oreillette gauche. Vous vous rappelez? Donc là, on est plus vers l'hypertrophie auriculaire gauche. Donc, souvent, c'est une oreillette gauche qui est dilatée. Comment on appelle cette onde P? C'est une onde P plutôt mitrale. Parce que souvent, il est dû à quoi? Il est dû, voilà, une pathologie mitrale. Donc, nous avons l'onde P pulmonaire.
et l'on te paie mitraille. C'est clair? Alors maintenant, dans le cas de l'urgence, même si vous ratez ces deux-là, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, ça ne va pas tuer le patient, mais ça serait bien de les détecter. Ça aide au diagnostic, mais sans que ça soit vital, vital, vital. Ça marche? Là, le problème n'est pas le même quand, dans le deuxième cas de figure, c'est quoi? Le deuxième cas de figure est plus compliqué. C'est que j'arrive à voir rien. Il n'y a pas de... Je vois rien. Donc, je n'ai pas d'entité, d'accord? Je peux m'arrêter à ce stade-là et me dire quoi? N'y a pas d'entité. Ce n'est pas la peine. Je passe au PR et j'oublie. Ah, ça c'est sûr, c'est un rythme non sinusal. Ça c'est évident. Je peux me dire, il n'y a pas d'entité, bah, tant pis. Je vais partir chercher autre chose. Ou je peux à ce stade-là penser à quelques diagnostics. Comme quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une fibrillation, un BSA, un flutter, une tachycardie jonctionnée, plein, plein, plein de choses. Il y a un élément qui va nous orienter rapidement quand l'onde P est absente. Très bien. Voilà. Alors, quand vous avez une onde P absente, vous allez vous poser une deuxième question. Est-ce que le rythme est... va nous orienter rapidement quand est l'onde P est absente. régulier? D'accord? Est-ce que le rythme est régulier? C'est bon? Donc, quand l'onde P est absente, la deuxième question à se poser, est-ce que le rythme est régulier? Quels sont les deux cas de figure? Allez, la médecine est simple. Quels sont les deux cas de figure? Oui ou non? Donc, elle est régulière. Ça peut être quoi? Flutter, t'as qui? Là, il y a une troisième question à se poser. Laquelle? Facile. Ne commencez pas à balancer parce que là, je suis en train de voir des diagnostics science-fiction dont je n'ai même pas encore parlé. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui apprennent, qui vomissent ce qu'ils ont appris. Moi, je veux que vous raisonniez. Je vois des choses dont je n'ai même pas encore parlé. Très bien, j'ai vu la réponse. La troisième question, c'est la fréquence cardiaque. Là, je vous parle juste des diagnostics à ne pas rater aux urgences, parce qu'il y en a plein. Si la fréquence cardiaque est normale ou basse, vous pensez à quoi? Elle est basse. Le rythme est régulier. Tu n'as pas d'onde P. C'est l'histoire de... On revient à l'histoire de quoi? De là. Très, très bien. On revient à l'histoire de la télécommande. Par contre, si vous avez un rythme rapide, vous avez deux diagnostics à évoquer, lesquels? Lequel? Le flutter est... Très bien. Vous avez deux diagnostics à évoquer. Le flutter. Et deuxième diagnostic.
Vous notez, c'est la tachycardie jonctionnelle. Et je vous explique. C'est bon? Ou maladie de Bouvray? Alors, le flutter, c'est quoi? Le flutter, vous avez une onde P qui n'est pas normale, donc on dit qu'elle est absente, mais elle est remplacée par des ondes P de type, on dit de type F. C'est comme en dents de scie ou en toit d'usine. Et ça donne cet aspect-là particulièrement. Très bien. Est-ce que ce rythme-là est régulier? Oui. Est-ce que nous avons des ondes P? Non. On pouvait un peu hésiter et dès qu'on hésite, c'est bon, il n'y a pas d'onde P. Est-ce que ce rythme, vous pensez qu'il est assez rapide? Oui. Donc probablement, c'est quoi? Un flutter au recul. D'accord. OK. Très bien. Parasital, ça va être comme ça. Tout doucement. Encore une fois, oubliez le parasitage, on est presque oublié dans le nouveau appart. Alors, regardez cet aspect. Donc, ça, c'est le flûteur. Regardez cet aspect-là. Eh bien, comment vous trouvez ce rythme-là? Est-ce qu'il est régulier? Pardon, est-ce que vous arrivez à avoir une onde P? Non. Est-ce qu'il est régulier? Oui. Est-ce qu'il est régulier? Oui. Est-ce que vous avez des ondes P en toit d'usine, en dents de scie? Probablement, c'est quoi? La tachycardie jonctionnelle. Alors, jonction, ça vient de la jonction, c'est-à-dire c'est la jonction au niveau du nœud auriculoventriculaire qui prend le rythme. Donc, ce n'est plus le nœud sinusien. C'est bon? Je reviens à ma page. Ça, c'est quand le rythme est régulier. Maintenant, le rythme est régulier. Rassurez-vous, à la fin, on va faire beaucoup d'exercices. Le rythme est irrégulier. C'est quoi votre diagnostic? On dit c'est la fibrillation auriculaire. Alors, ma question est très très simple. Quels sont les deux critères cliniques pour retenir la fibrillation auriculaire? Les deux critères électriques, pardon, de la fibrillation auriculaire. Pardon, les critères électriques. Non, pas tout le temps tachycardie, moi j'ai dit fibrillation auriculaire. Les deux critères, allez. Donc vous avez une onde P absente et rythme irrégulier. Vous entendez parfois quand on dit tachy-ACFR, c'est quand en plus, il y a quoi? Une tachycardie. Il n'y a pas toutes les. Il y a pas toutes les. Il y a des FA même lentes. D'accord? Il y a des FA avec fréquence cardiaque normale et il y a des FA avec une fréquence cardiaque élevée. Donc, quand en plus il y a une tachycardie, on dit une tachy-ACFR. C'est bon? Notez-le s'il vous plaît, parce que beaucoup pensent que la FA doit être rapide. Vous avez des FA lentes aussi. Vous l'avez noté? Pas toutes les FA sont rapides. OK? Donc, au niveau du P, on doit faire attention à combien de pathologies? Ce n'est pas plus facile que ça. Allez. En général, on a retenu quatre. Le BSA, le flûteur, la TJ et la F.
Bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'anomalies au niveau de l'ANTP, le QRS il est pour le moment toujours fin. D'accord? Pour le moment, le QRS est toujours fin parce que l'anomalie est au niveau de l'ANTP. OK? Les exemples, c'est vers la fin. C'est bon pour l'ANTP? BSA, Flutter, TJ, FA. Je ne pense pas que je suis vite. Je suis désolé. Vous pensez que je suis vite? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas être plus lent que ça, sinon vous allez vous endormir. Allez. Donc, au niveau de l'onde P, il ne faut pas rater le BSA, le flûteur, la TJ et la fibrillation auriculaire. Je comprends que le public est hétérogène, mais moi, je m'adresse à la majorité. Et je suis sûr que je suis correct dans le rythme. Je suis désolé de le dire. Très bien. Selma, j'ai expliqué ça. Je ne peux pas revenir là-dessus. Non, je ne peux pas revenir là-dessus. Allez. Très bien. Je suis très lent. Donc, arrêtez de me poser des questions. C'est des choses qui viennent d'arriver. Sinon, vous pouvez revoir YouTube, il n'y a aucun souci. Alors, pour la dernière fois, je vais répondre. La FA, vous avez un rythme qui est irrégulier et absent d'onde P. Alors, arrêtez de me dire coupure de sang, machin. J'ai du très, très bon matériel. Cherchez de votre côté. Le flûteur, j'ai dit qu'il y a des ondes qui sont en dents de scie, si vous avez bien noté. Très bien. Je comprends que vous voulez apprendre, prendre beaucoup de notes, mais honnêtement, je suis sûr, sans aucune prétention, que je suis très correct sur le rythme. Je sais ce que je dis. Allez, on peut avancer au PR? Alors, le PR, rappelez-moi, il correspond à quoi? Le PR, non, je n'ai pas dit segment néophyte, méridique. J'ai dit en 10 segments. Alors là, c'est la confusion totale. Je dis espace PR. J'ai bien 10 segments PR, c'est juste pour la ligne isoélectrique. Alors l'espace PR, il est de où à où? C'est du début du P au début du QRS, d'accord? S'il n'y a pas de Q, ça va être le R. Donc début, début. Il correspond à quoi? Pas que la conduction. C'est le temps qu'il faut depuis quoi? La dépolarisation. C'est le temps qu'il faut depuis la dépolarisation des oreillers jusqu'à l'arrivée au ventricule. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas que le temps de la conduction. Parce qu'en fait, le temps de la conduction, c'est quoi? C'est finalement, entre parenthèses, c'est le segment PR. Nous, on parle de l'espace PR. C'est le début de la dépolarisation jusqu'à ce que ce courant de dépolarisation arrive au ventricule. Son intervalle. Et de combien? Allez. 0,13 précisément. Je sais pas pour... Je vous l'ai dit hier quand on a parlé des petits carreaux. Voilà. On avait bien dit que c'est entre 3 à 5 petits carreaux. Ça veut dire 0,12 à 0. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit ni quoi ni quoi. Allez. Il ne faut pas qu'il soit ni court ni lent. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas qu'il soit ni court ni lent. D'accord? On va commencer par les PR courts. C'est-à-dire une durée qui est comment?
Moins de 0,12. Alors, quand le PR est moins de 0,12, ça veut dire quoi? Peu importe le nom, on s'en fiche. Je veux que vous compreniez. Ces réponses-là, c'est des gens qui, après, moi, je veux que vous raisonniez. Voilà 1 000. Ça, c'est bien un raisonnement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les ventricules, ils font quoi? Ils se dépolarisent rapidement. C'est-à-dire quoi? Ils attendent pas quoi? Bravo, Iman. Ça, c'est un bon raisonnement. Ils n'attendent pas quoi? Ils n'attendent pas l'arrivée du signal d'où? D'une sinusine. Est-ce que vous avez compris? Apprenez à raisonner. Fada, ça mène à rien. Apprendre pas que ça mène à rien. Très bien. Et du coup, comment ils vont être excités? Donc, ils sont excités avant le temps. Vous avez compris? Ils sont excités avant le bon timing. Vous avez compris? C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi, ça a été dit dans les réponses, comment on l'appelle aussi, une pré-excitation. Ils sont excités. Maintenant, il y a une très très bonne question qui a été posée là, mais comment ils vont être excités justement avant le temps? Non, pas des foyers ectopiques, il y a des faisceaux qui sont accessoires. Très très. Alors, dessine avec moi. Dessine avec moi, je vais vous expliquer tout ça. Allez. Vous avez dessiné? Savez m'entendre? Vous m'entendez? C'est la tablette qui bug. Alors, je vais me déconnecter de la tablette et revenir. 2 secondes, 2 secondes. Vous savez m'entendre? Alors, je dois. Désolé, 2 secondes, c'est la tablette qui bug. Je vais juste me connecter et je reviens. 2 secondes, 1 minute. Alors, on va repartager et continuer notre cours. Je vois trop vous, Saline. C'est bon? Alors, dessine avec moi, comme je viens de faire, le cœur, allez-y. Dessine avec moi, allez. L'avait fait. Maintenant, on va dessiner juste le tissu de conduction. Alors, pardon, je vais dessiner quand même le septum. Et le sillon, d'accord? Rappelez-moi, ça c'est quoi? Ici, c'était quoi? Le nœud sinusal. Ça c'est quoi? Qui va lancer quoi?
Sous de is qui va se diviser en deux, c'est ça? La branche droite et la branche gauche qui, elle, va se diviser en branche antérieure et branche postérieure. D'accord? Pardon, une demi-branche antérieure et une branche postérieure. Donc le CQ normal, c'est quoi? C'est dans quel sens? Comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est le circuit normal, d'accord? Ça reprend. Il y a des faisceaux. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc, le circuit normal, c'est ça. C'est dans ce sens. Il y a un faisceau parfois accessoire. Il est où? Ça peut être soit du côté gauche, soit du côté droit. Comment ça s'appelle ce faisceau? Faisceau de Quint. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce faisceau est là? Il est excité aussi et c'est lui qui réexcite le nœud. Vous avez vu? Et ça roule. Donc, il précède le signal qui vient de l'auricule. Un peu des phénomènes de réentrée, d'accord? C'est un physicien, si je me sens bien, je me rappelle plus, qui avait découvert ce faisceau-là. Il s'appelait Quint. Mais lui, il pensait que c'était physiologique qu'il travaillait. D'accord? Il y avait trois chercheurs par la suite qui ont compris que le fait que ce faisceau travaille, ce n'est pas une bonne chose. Ces trois-là, ils s'appellent comment? Vous les connaissez? Il y a le docteur Wolf, le docteur Parkinson, son troisième, et le docteur White. C'est pour cette raison que cette pathologie porte le nom de Wolf Parkinson White. D'accord. C'est un faisceau qui ne doit pas normalement travailler parce qu'il est, il est, on va dire, négligeable. Mais chez certaines personnes, ils ont un faisceau de Quint qui est vraiment conséquent, qui commence à attraper les excitations. Il ne va pas inhiber le nœud sinusal, mais il va le précéder. Donc, même le signal, quand il va arriver au nœud, donc. Je pense qu'il est présent. Je ne suis pas sûr ES, mais je pense qu'il est présent chez tout le monde, mais ça dépend. Alors maintenant, sur le plan électrique, comment ça va se manifester? Regarde. J'ai mon. Pardon. Alors, finalement, animé. J'ai mon onde P. Ah, ça commence comme ça. Donc, j'ai mon onde P, d'accord? Vous avez vu? Mais juste après, il y a presque pas d'air. Il y a juste après, ça monte. D'accord? Chez ce schéma-là, le PR, il est de combien? Calculez le PR. Il est de combien? C'est deux petits carreaux. Donc on est à combien? On est à 0,08. D'accord? Est-ce qu'il est bon? Elle est très court. D'accord? C'est l'aspect typique de W2. Pardon, du Wolf Parkinson White. Et surtout avec cette encoche. Est-ce que vous arrivez à voir l'encoche? Donc aussi ici. Donc on peut dessiner la lettre delta sous cette encoche. C'est pour cette raison qu'on appelle ça le signe du delta.
Est-ce que c'est une dépolarisation normale des ventricules qui suit le cheminement normal? D'accord. Alors, vous notez chez vous. Vous notez chez vous. Et ça, c'est valable pour tout le reste de l'atelier. À chaque fois que la dépolarisation est anormale, continue la phrase. À chaque fois que la dépolarisation est anormale, qu'est-ce qui va se passer après? Complétez la phrase. À chaque fois que la dépolarisation est anormale, allez-y. Bravo Emma, la repolarisation serait anormale. Très très bien. On parle de trouble de la repolarisation secondaire. On parle de trouble de la repolarisation secondaire. C'est-à-dire secondaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dus à des phénomènes ischémiques, ils sont dus à quoi? Oui, ils sont secondaires à un problème de la dépolarisation. Amen. Donc faites attention. Mais ça va être le cas pour tout le reste de la T. À chaque fois que la dépolarisation est anormale, la repolarisation va être normale. Donc, dans le WPW, normalement, qu'est-ce qu'on va trouver en plus? Souvent, qu'est-ce qu'on trouve à part ce signe-là? Qu'est-ce qu'on va trouver? Une onté anormale, bravo Yehuda, par exemple, qu'est-ce que tu proposes? Une onté, par exemple, négative ou en. Non, en psychisme, négative, d'accord? Parce que l'onté négative, ça peut être aussi dû à des phénomènes ischémiques. On va y arriver dans une petite heure. Mais dans ce cas-là, c'est dû à la dépolarisation qui est anormale. C'est bon? Et mettez un fluorescent là-dessus. Pour toute dépolarisation anormale, il y a une repolarisation qui risque d'être anormale. Alors, parmi les questions, le delta il est spécifique, mais on ne peut pas éliminer, comme d'habitude, dans toute la médecine. Nous avons un signe, je retiens, je n'ai pas le signe, je n'élimine pas. Ça, on l'a dit plusieurs fois. C'est bon pour le PR court? Là, c'est de la théorie. Après, on va faire beaucoup d'exercices. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tous ces aspects. Allez. Ça signe juste que la dépolarisation, elle est précoce. Et ensuite, qui est retenu par le signal qui vient d'en haut. Oui, et bravo. Allez. Alors, le WPW. On va dire que ça ne va pas tuer sur place, sur place. Il y a un souci quand même. Et là, je m'adresse aux personnes qui délivrent des certificats d'aptitude, surtout en médecine de sport. J'imagine que nous avons des médecins ici qui font de la médecine de sport. Alors, c'est une contre-indication à la pratique du sport du haut niveau. Pas sport normal, foot, c'est une contre-indication à la pratique du sport du haut niveau. Et là, entre parenthèses, s'il vous plaît. Je parle maintenant aux médecins parmi vous. Cessez ces certificats de complaisance, le voisin qui arrive à donner moi une aptitude. S'il vous plaît, au moins un examen physique avec un EC. D'accord? Parce que ça risque de partir dans du trouble de rythme. Et ça peut donner une fibrillation et la mort subite. Faites attention. Allez, on va partir maintenant vers les PR. Alors, quand le PR est au-delà de 0,20, c'est quoi jusqu'à preuve de contraire? C'est un BAV jusqu'à preuve de contraire, d'accord? Notez sur vos bloc-notes. Un PR allongé, c'est très probablement, c'est un BAV, d'accord? Écoutez-moi ce que je vais dire maintenant. Pas tous les BAV. Ça accompagne de quoi? Continue la phrase. Pas tous les BAV, ça accompagne d'un PR allongé. Est-ce que vous avez compris? Et je vais vous expliquer pourquoi. On peut parfois trouver un BAV avec un PR normal. Dans une situation, on va l'avoir tout de suite. Mais
En fait, ce nom-là de BAV, c'est un nom qui n'est pas correct. Parce que le vrai BAV, c'est quel BAV parmi les degrés? C'est le troisième. C'est là où il y a vraiment les blocages. Le problème dans le BAV, c'est un ralentissement de la conduction oculo-ventriculaire. Vous connaissez les trois degrés des BAV, certainement? Voilà. Alors, le BAV premier degré. Qu'est-ce qui se passe dans le BAV premier degré? Le père, elle est allongée, juste allongée, mais elle est constante entre les différents complexes. Je vais dessiner juste le R, le P et le R. J'ai dessiné que le P et le R, d'accord? Supposons ici, c'est 0,24, ok? Est-ce que c'est un PR allongé? Oui. Ici, ça devrait être combien aussi? Ici, combien? Allez, ici. 0,24. Ici, 0,24. Ici, 0,24. Et ainsi de suite. D'accord? C'est ce que nous appelons le BAV premier degré. BAV deuxième degré. Il y en a deux. Il y a d'abord le Mobitz 1. Qu'est-ce qui se passe dans le Mobitz 1? Le PR s'allonge, 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 et puis une onde P est bloquée. Ça revient dès le départ. Ça va donner comme ça, par exemple. Vous avez vu? Alors ici, par exemple, on va dire 0,24. Ici, on va dire 0,28. Ici, c'est 0,32. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Ça bloque. D'accord? Ensuite, ici, ça revient. Ça va être combien? Zéro vingt-quatre. Ici, c'est 0,28 et ainsi de suite. Vous avez compris le Mobitz 1? C'est un PR qui s'allonge progressivement jusqu'au blocage de l'onde P. C'est bon pour le Mobitz 1? C'est bon pour le Mobitz 1? Oui. Alors, mon bit 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors, mon bit 2. Qu'est-ce qui va se passer dans le mon bit 2? Le PR est constant. On est bien d'accord. Et parfois même, elle est... Et parfois même, elle est normale. Et on se sent rassuré. Mais parfois, ça peut être très grave. En fait, si le PR, vous le notez, il est constant, souvent allongé, mais peut être normal. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle a cette onde P? Il commence à à bloquer. Il commence à bloquer. Allez-y. Voilà, régulièrement. Il commence à s'imposer. Je suis là. D'accord? Il commence à s'imposer régulièrement. Parce qu'on sent que le pire va arriver après. C'est-à-dire qu'il va bloquer.
La boucler complètement, définitivement, très bien. Alors, dessinons le mot bits 2. Dessinez avec moi. C'est la passe, c'est là, non. C'est la passe, c'est là, non. C'est la passe, c'est là, non. Tout en sachant que les PR, ils sont constants. Vous avez compris la différence? Vous avez vu les schémas? Regardez le schéma, on ne peut pas être plus clair que ça. Très bien. Alors écoutez. Ici, on dit que c'est deux blocages, 2 sur 1. Ça veut dire quoi? Non. Regardez comment on le lit. Sur deux ondes de P, il y a une qui passe, pas qui bloque. Sur deux ondes de P, il y a une qui passe. Soyons optimistes. Alors, quand je vois des commentaires, parfois, je comprends rien. Vous ne pensez pas que ce blocage est régulier? À moins que vous lisez autre chose. Vous pensez que ce blocage n'est pas régulier? Parfois, je commence à me poser des questions si je parle du chinois. Comment tu peux pas faire la différence avec Mohamed Ali? Si tu suis bien, j'ai bien dit dans Mobitz 1, c'est une progression progressive. Quelle est la grande différence entre Mobitz 1 et Mobitz 2? Vous m'entendez quand je parle, est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est le problème dans le PR dans Mobitz 2? Où est le problème? Si vous êtes sur l'atelier sur Instagram, tu ne vas pas me capter. J'ai dit que dans le Mobitz 2, le souci majeur, c'est quoi? C'est le blocage qui est régulier. Dans le Mobitz 2, cet exemple-là, on a combien de blocages? Allez, cet exemple-là. Il y a quatre qui sont bloqués. On est bien d'accord. Sur le 8P que vous voyez, ou le 9, il y a quatre. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui serait le plus grave? Faites attention. Qu'est-ce qui est le plus grave? Le 2 sur 1 ou le 3 sur 1? Qu'est-ce qui est le plus grave? Je vous ai bien dit, faites attention. Parce que vous ne réfléchissez pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Essayez juste de lire la phrase et vous allez trouver la bonne réponse. C'est quoi 3 sur 1? Sur 3, il y a uniquement une qui passe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est plus grave maintenant? 3 sur 1 ou 2 sur 1? Allez, réfléchissez, raisonnez. Allez. Après. Sur 3, il y a une qui passe. D'accord? Écoutez, c'est quoi le 4 sur 0, par exemple? La morgue. Vous êtes pessimiste. Voilà, il n'y a aucune qui passe et automatiquement on bascule vers quoi? On bascule vers le BAV troisième degré. Le BAV troisième degré, on l'appelle aussi Verita, on l'appelle aussi BAV complet. C'est le seul trouble de conduction qui porte son nom. Ça marche? Alors, question, si vous avez compris la télévision, la télécommande. Dans les trois blocs que nous avons vus en haut, le premier degré, le Mobitz 1 et le Mobitz 2, écoutez-moi. Le QRS peut être normal ou anormal. Dans les trois que nous avons vus en haut.
Normal. On est bien d'accord. Rappelez, parce que le problème n'est pas dans l'âme. Dans la télévision. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a. Ou est-ce qu'il y a un problème dans la télécommande? Est-ce qu'il y a un problème dans la télécommande? Réfléchissez pas. Non, il n'y a pas de problème dans la télécommande. Sauf que peut-être il y a beaucoup de quoi? Il y a des. Il y a un mur, par exemple, interférence entre la télécommande et la télévision. Dans quelle pathologie la télécommande ne marche pas? Réfléchissez. Est-ce que c'est clair? Dans les BAV, le nœud, ça marche bien. Le ventricule marche bien. Où est le problème? C'est dans la conduction. Alors, probablement, entre ma télécommande et ma télévision, il y a des interférences qui dérangent. Vous avez compris? Alors, réfléchissons maintenant toujours télévision et télécommande. Qu'est-ce qui va se passer dans le BAV3? Est-ce que la télécommande marche? BAV3. Est-ce que la télévision marche? Sauf que... Oui. Essayez de faire le pareil. Sauf qu'il y a quoi? Il y a un mur entre les deux. Et du coup, même si j'appuie, le signal n'arrive pas à la télévision. Il y a un mur contre les deux. Ça veut dire quoi? Les deux, ils auront leur propre rythme, mais qui sont... Discord. Et cette télévision-là, est-ce qu'elle va continuer à marcher sans télécommande? Naturellement, pas de télécommande, pas de télévision. Vous pensez? Est-ce que nos télévisions peuvent marcher sans télécommande? Mais bien sûr qu'il y a des boutons, tout simplement. Est-ce qu'on utilise marche sans ces commandes? Bien sûr que oui. On va l'allumer directement. D'accord? OK. L'allumage automatique direct, c'est quoi dans le cœur? Comment on l'appelle de façon générale? Quand la télécommande ne marche pas, je dois. Ce sont des foyers dans le cœur qui prennent le relais. Le nœud sinusal, je ne reçois pas de signal. Allez, je vais activer mes foyers ectopiques. D'accord? Ça marche? Vous avez compris le parallélisme? Dans le trou de conduction, rappelez-vous toujours l'exemple de la télévision et de la télécommande et vous allez comprendre parfaitement. Très bien. Est-ce que d'abord vous avez compris le parallélisme? Après, on verra où ils sont ces foyers ectopiques. Très bien. Alors, écoutez, je vais vous dessiner et expliquer qu'est-ce qu'on va trouver dans BAV troisième degré. Carter ne me pose pas cette question à la troisième partie. Il faut revoir la première partie. Oui, Maël, c'est exactement ça. Très bien. Nous avons un BAV complet. Est-ce que le nœud sinusal va, on va dire, va travailler correctement? Donc, est-ce que la fréquence auriculaire va changer? Non. Donc, je vais dessiner juste le tracé des oreillettes. Juste le tracé des oreillettes. Regarde. Est-ce qu'il change? Non, très bien.
Maintenant, le QRS, est-ce qu'il va changer? Vous pensez? Qu'est-ce qu'on a dit? Un QRS normal, il est comment? Un QRS normal, il est fin. Comptez, c'est les fins. Comptez, c'est fait. Quand le signal arrive d'en haut, quand il est précédé du nombre. Très bien. Est-ce que c'est clair? On l'a dit plusieurs fois. Maintenant, le signal n'arrive pas d'en haut. Donc, il va compter sur ses propres moyens. Il va dépendre de ses foyers ectopiques. Et ces foyers ectopiques, ils sont comment? Ils sont aussi performants que le nœud sinusal? Non. Donc, cette performance, cette manque de performance en termes de quoi? Est-ce qu'ils sont aussi rapides que le nœud sinusal? Donc, en termes de fréquence et en termes de qualité du QRS. Vous avez compris? Donc, comment vont être les QRS? Ils vont être larges, mais surtout, ils vont être rapprochés les uns des autres ou très. Ils vont être moins fréquents. Ils vont être espacés les uns des autres. Tout dépend de la fréquence de quoi? De ce de signal de ce foyer ectopique. Vous avez compris? Tout dépend de la qualité de ce foyer ectopique. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, regardez les QRS, comment il va être. Les QRS. Par exemple, je dis, qu'est-ce que vous avez remarqué? Les QRS n'ont rien à voir avec les excellentes réponses. Et du coup, le tracé final, vous allez trouver quoi? Le tracé, vous, que vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est très, très bien. C'est comme l'histoire des quoi? Vous avez vu la dernière fois? Des. Ça va être la superposition. D'accord? Donc, vous, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, je vous laisse 15 secondes pour dessiner le tracé que vous allez voir. Allez, dessinez-le maintenant. Mettez l'un sur l'autre. Regardez qu'est-ce que ça va donner. C'est bon, vous l'avez fait, vous l'avez dessiné. Très bien. Alors, vérifiez avec moi si c'est la même chose que vous avez. C'est à peu près comme ça. Donc, c'est clair et net que chacun bat à son propre rythme. Ils sont anormaux. Moi, je les ai dessinés maintenant négatifs. Ils sont anormaux. Tout QRS n'est pas fin, il est anormal. C'est bon? C'est bon? Alors, une toute dernière nuance. Prenez une page vide. Allez. Redessinez le QRS. Vous voyez de gauche. Ventricule gauche, ventricule droit, l'orbital, sillon interventriculaire, le sillon auriculo-ventriculaire. Bon, j'ai mon nœud sinusal, puis le nœud auriculo-ventriculaire. Puis le faisceau de His, puis la branche droite, puis la branche gauche,
puis les hémibranches antérieures, les hémibranches postérieures. C'est bon. Quand il y a un blocage, il est où le blocage à votre avis dans le BAV complet? Oui, Maëlle, tu as absolument. Allez, il y a un blocage ici. D'accord? Quel est le premier foyer qui prend le relais? Le is lui-même, il prend du relais. À votre avis, si le foyer ectopique est au niveau du is, est-ce que l'uchérite va être anormal? Non, jusqu'à maintenant, il reste normal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner haute. Quand est-ce, alors question pour un champion, quand est-ce que les QRS vont être anormaux? Quand le BAV dépasse le en infra-ICien. Il dépasse le IS. Voilà. Vous avez compris la différence? Donc c'est quand il est, justement, on l'a vu la première fois, la première partie, quand le BAV est distinct. Vous avez compris? Donc, dans le BAV proximal, nous risquons d'avoir des QRS toujours fins. Dans le BAV distal, les QRS vont être larges. Pourquoi ils sont larges? Qui prend le relais quand ça dépasse le faisceau de His? En fait, quand le blocage est ici, est-ce que le faisceau de His va le reconnaître? Est-ce qu'il va savoir qu'il y a un blocage? Non. Il y a un deuxième foyer ectopique. Il est où cette fois-ci, le foyer ectopique? Il est dans la paroi des ventrucs. Il est de très, très mauvaise qualité. Il est très, très lent. Et ça donne du QRS large et très, très lent. D'accord? Bien sûr. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on peut vivre avec ça? On peut vivre, mais la durée de vie, il va falloir penser à faire quoi? Il va falloir penser à stimuler ce cœur. On verra tout à l'heure comment. C'est bon? C'est clair? On va tout montrer maintenant. On est dans la théorie. Allez, c'est bon? Très bien. Regardez, à mon avis, non, il n'y a pas plus simple que de diagnostiquer un BAV complet. Pourquoi? On voit que les PR, les P, c'est régulier, mais leur rythme, et les QRS sont réguliers, mais dans un autre rythme. Vous avez compris? Il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez les P réguliers, mais à leur rythme. Par exemple, fréquence des P 80, mais la fréquence des QRS à 30. Mais ils sont tous les deux réguliers. Alors, question pour un champion. Est-ce que dans les BAV complets, le QRS est obligatoirement anormal? Sinon, il serait plutôt anormal dans quel type de BAV complet? Dans le distal. Très, très bien. Je pense que c'est acquis, ce point-là, et j'en suis ravi. Avant de passer au QRS, regardez. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de la CFA, l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Vous vous rappelez? OK. Regardez l'astuce pour la gérer. Le A... Il vous pense à donner quoi? Il faut donner quoi? Il faut penser à donner un anti-arythmie. Selon les différentes classes, il y en avait combien? Rappelez-moi. Il y en avait 4. Selon l'astuce quoi? ABCD. Très, très bien.
Vous voyez maintenant l'intérêt de la première partie, c'est très ça, ça va vous intéresser, ça va vous aider pour tout le reste. Peu importe. Le deuxième A, il doit vous rappeler quoi? Vous pensez à anticoagulant. L'antiarythmie, ça peut être des médicaments. On appelle ça une antiarythmie quoi? Quand il se base sur des médicaments, les ABCD. Chimiques ou quand on se parle pH. Iatrogène, non, c'est le haram alik. On va obtenir une antiarythmie par des médicaments. On l'appelle antiarythmicité pharmacologique. Parfois, on doit et on peut avoir besoin d'une antiarythmie commune. Électrique. Surtout lorsque se trouve du rythme dans le quoi? Une instabilité hémodynamique. Alors, notez-le sur vos blocs-notes avec fluorescent. Devant tout trouble du rythme, tout trouble de la conduction, le premier élément sur lequel on va se baser pour décider, c'est quoi? Il mène depuis. J'ai même pas. Bon, je vais arrêter peut-être. La tolérance hémodynamique. D'accord? Fluorescence sensible. Devant tout trouble de la conduction ou du rythme, le premier élément sur lequel on va se baser, c'est la tolérance hémodynamique. Est-ce que la pression est normale ou basse? Est-ce qu'elle a des signes de mauvaise perfusion périphérique? C'est clair? Alors maintenant pour le BAV. Comment on va raisonner face au BAV? Allez. D'abord, il faut les séparer en degrés. Très bien. Il faut les séparer en degrés. D'accord? Il y a quoi? Non, maintenant, là, ADF, effectivement, ça c'est le raisonnement maintenant, le diagnostic. Il y a les bas degrés, et les hauts degrés. D'accord? Quand on dit bas au haut degré, c'est-à-dire au degré de quoi? Ça veut dire au degré de quoi? Oui, dites-moi. Au degré de quoi? De passage à quoi? C'est-à-dire carrément, excellent. C'est-à-dire ça peut carrément partir à l'arrêt cardiaque. Alors, quels sont les BAV qui sont de bas degré? Quels sont les BAV qui sont de bas degré? Nous avons le BAV 1 et le BAV 2 Mobitz 1. Quelle est votre décision pour ces deux-là? Vous êtes dans un cabinet, vous trouvez un Mobitz 1 ou un BAV 1, c'est quelqu'un qui fait quelques syncopes. Donc, on va l'envoyer chez qui? Vous l'envoyez chez nos amis cardiologues, particulièrement les rythmologues, pour lui placer quoi? Ma, je ne sais pas c'est qui MA, tu veux que je te tue? Un BAV, tu lui donnes un antiarythmique? Ben bravo. Bon, le rythmologue, il va l'examiner, peut-être qu'il va le conseiller, surveiller, et s'il le faut, il va lui mettre un pacemaker. Tout dépend des symptômes. Mais ça, c'est hors urgence, on va dire. Le O, c'est quel trouble de conduction dans les O? Allez. Allez, le O.
Nous avons les BAV 2, Mobit 2 et le troisième degré. Ça marche? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au BAV 2, Mobit 2 et BAV 3? Très bien, on va chercher si c'est bien toléré. OK. Deux cas de figure. Soit que c'est OK. C'est bien toléré. On va encore, ça aussi, on va l'envoyer à qui? Chez le cardiologue, il va falloir peut-être placer aussi un pacemaker, le rythme du patient. Par contre, elle est mal tolérée. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir... Est-ce qu'on va envoyer ce patient directement au pacemaker? Je pense qu'il n'aura pas vraiment le temps d'arriver, de se mettre sur le dos et tout, ce n'est pas évident. Et pour mourir avant. Donc, il va falloir trouver une solution pour faire quoi? Voilà, pour le stabiliser. Mais comment on va stabiliser? Il faut trouver une solution pour stimuler ce cœur. D'accord? Donc, il faut stimuler. Il faut entraîner une systole. On stimule pour entraîner une systole. C'est pour ces raisons qu'on nous appelons comment? On stimule le cœur pour entraîner une systole. C'est pour ces raisons qu'on nous appelons entraînement électro-systole. Entraînement électro-systole. Alors, comment on peut le faire, cet entraînement électro-systole? De deux façons. Soit que vous êtes cardiologue ou encore intensiviste, on va faire monter une sonde à travers la veine fémorale jusqu'au cœur et on le branche à un boîtier à travers donc les sondes, ces sondes-là. Ça s'appelle la montée de sonde. Soit qu'on peut utiliser un appareil qui va stimuler à travers des patchs, une antérieure, l'autre, on se dit, non, les stents, c'est dans les artères coronaires, ça n'a rien à voir. La deuxième technique, elle s'appelle stimulation transcutanée. Alors, faites attention, ces patchs-là, ils stimulent. Ce ne sont pas les autres patchs qu'on utilise pour la fibrillation. Les autres patchs, ils font quoi? Parce que souvent, les gens font de la confusion. Les autres patchs, ils défibrillent. Ils défibrillent. Ces patchs-là, ils stimulent. Donc, n'utilisez pas les patchs de stimulation transcutanée chez un patient qui a un trouble du rythme. On va utiliser chez un patient qui présente un trouble de la conduction. Si vous utilisez un patch de stimulation transcutanée chez quelqu'un qui est en arrêt cardiaque sur fibrillation, vous pensez que c'est une bonne chose? Ça va encore aggraver, il va rester en fibrillation. Fluorescent, s'il vous plaît, fluorescent. Ne pas faire la confusion entre les patchs de stimulation et les patchs de défibrillation. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ne pas faire la confusion entre les patchs de stimulation que nous allons utiliser pour entraîner un rythme et des patchs de défibrillation que nous allons utiliser pour supprimer le rythme. Alors, pour les médecins parmi vous qui travaillent dans des urgences, vous avez des appareils, je sais que de défibrillation. Si vous comptez investir dans d'autres appareils, s'il vous plaît, achetez des appareils qui sont capables à la fois à faire quoi?
C'est le même appareil, sauf que il faut juste changer de quoi? De patch. Et le bouton, vous le tournez soit stimulation, soit défi. D'accord? Alors, s'il vous plaît, c'est le même appareil. C'est-à-dire, dans les spécifications techniques, demandez un appareil qui peut faire à la fois défibrillation et stimulation au lieu d'acheter deux appareils différents. Parce qu'il y a peu de monde qui connaissent. C'est bon? C'est OK? La montée de sonde, on va piquer dans la veine fémorale, on va faire monter c'est comme des fils d'acier à travers la veine fémorale qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à arriver au cœur droit. Et ces fils d'acier, ils sont connectés à l'extérieur d'un boîtier, et ce boîtier, il donne la stimulation. Ça s'appelle le boîtier. Alors, on peut donner l'atropine, mais quand c'est bloqué, vous aurez beau à donner et de l'atropine et de l'isoprénaline, mais ça ne marchera pas. Donc, nous avons vu l'onde P et R. Maintenant, on va attaquer quoi? Les QRL, d'accord? Je vais y arriver pour les causes. Juste. Alors, je lis toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Et quand il y a des questions hors sujet, je ne vais pas répondre. Quand il y a des questions intéressantes, je les garde. Je note en même temps parce que on va y répondre. Le QRS, allez, il y a des choses à préciser dans le QRS. Alors, d'abord, la terminologie. Le Q, c'est-à-dire, c'est la première défection négative. Le R, c'est quoi? C'est la première déflexion positive qui suit une déflexion négative. Et toute déflexion positive par la suite, c'est toujours des. Toutes les déflexions positives, c'est des R. R, R prime, R seconde, etc. La déflexion négative qui suit une déflexion positive, c'est quoi? C'est le S. Alors parfois, on écrit en majuscule, parfois minuscule, ça dépend de quoi? De l'amplitude. D'accord? Quand c'est moins de combien, on écrit en minuscule. Moins de combien quand on écrit minuscule? Le R, c'est la première déflexion qui suit l'onde Q, c'est-à-dire la déflexion négative. Quand c'est moins de 5 mm, j'écris en minuscule. Quand c'est supérieur à 5 mm, j'écris en majuscule. Regarde. Par exemple, ça, on va écrire comment? Très bien, c'est Q, R, S. C'est bon? Comment on va écrire ça? Très bien. Ça. Ça peut être aussi un S. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça peut être soit un Q, soit un S, parce qu'il n'y a pas le R. Donc pour leur faire plaisir à deux, on va écrire quoi? C'est profond. Voilà. C'est le classique aspect QS. C'est bon? Vous avez un patient en D1 et là cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on va écrire? Q majuscule. Q, R, c'est clair?
vous avez un autre patient toujours en D1. Elle a cet aspect. Qu'est-ce qu'on va écrire? Si vous avez cet aspect-là, on va partir jeter un coup d'œil sur quoi? Automatiquement. Allez, question penchante. Si vous avez un S profond D1, rapidement, je jette un coup d'œil sur quoi? Sur, rappelez-vous, c'est un réflexe. Sur D3. Parce qu'on peut trouver en D3 cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on va écrire en D3? Qu'est-ce qu'on va écrire en D3 sur ce schéma? Sur le schéma que je viens de mettre. Q, R, S. Ces deux-là ne donnent ce fameux aspect lequel? C'est ce que nous appelons l'aspect. Voilà. Nous appelons l'aspect S1, Q3. Qui est très en faveur, entre autres, de l'embolie de cap pulmonaire aigu dans un contexte aigu embolie pulmonaire. Cet aspect-là, regarde, c'est quoi? M. C'est R, R prime. Très, très bien. Et ainsi de suite, d'accord? C'est bon pour la terminologie? C'est bon pour la terminologie? Alors, prenez un fluorescent. Vous écrivez, il n'y a pas de Q majuscule physiologique. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Il n'y a pas de Q majuscule physiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'insinue par rapport à ça? Toute Q majuscule est pathologique jusqu'à preuve de contraire. Toute Q majuscule est pathologique jusqu'à preuve de contraire. C'est clair? C'est clair? Voilà, clair. Rappelez-vous de ça. Allez, un QRS normal, il est comment? Il est toujours? Toujours. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Moins 2. Moins 2, 0, 12. En fait, plus exactement, c'est 0, 11. Plus exactement. Mais pour faire simple, on va dire 0, 12. C'est bon? Rappelez-vous, Q, R, S, 3 lettres, 3 petits carreaux. Q, R, S, 3 lettres, 3 petits carreaux. Donc, moins 2, 0, 12. La première anomalie que nous allons voir, rappelez-moi dans le QRS, vous rappelez la première partie de l'atelier? On devait voir quoi? Dans le QRS? On devait voir quoi? Rappelez-moi, c'était la première partie. On va voir les blocs de branche, quoi d'autre? Les cul de nécrose, quoi d'autre? Les hypertrophies, quoi d'autre? Et les troubles de durée. Très bien. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble. Allez. Vous vous rappelez, à la première partie, je vous avais dit pourquoi le QRS est exactement fin. Très, très fin. Vraiment très fin. Pourquoi? Parce que la fusion, la superposition de quoi? De deux ventricules. Très, très bien. Si un ventricule est retardé par rapport à l'autre, il y aura quoi? Il y aura un déphasage. Et on va assister à quoi? Un élargissement du QRS.
C'est quoi? C'est un bloc de branches. Comment maintenant on va savoir que c'est droit ou gauche? Si vous avez cet aspect-là en V1, V2, on est de quel côté? Vous avez cet aspect-là. C'est du côté droit ou du côté gauche? Les ventouses, rappelez-vous. C'est plus du côté droit ou du côté gauche? Donc, c'est plutôt un bloc de branches droit. Et à votre avis, le bloc de branche gauche, c'est de quelle dérivation? Toujours les précordiales. C'est de quel côté va vraiment apparaître? Revoir les comptes. Très, très bien. Si j'ai cet aspect-là en V5 et V6, il y aurait le bloc de branche gauche. Un autre signe, ça j'en parle très peu, je pense que la première fois que j'en vais parler. Dans le bloc de branche droit, notez-le, vous avez des S profonds. Des S profondes en V5, V6. Et dans le branche gauche, vous avez des S profonds où? Dans le bloc de branche, c'est l'inverse. Mais à la limite, ça c'est juste des petits détails, parce que je vois que vous êtes très intéressé. Pour moi, il faut juste faire attention à ça. En V1, V2, c'est bloc de branche droit. En V5, V6, c'est bloc de branche gauche. À votre avis, quelle est l'autre anomalie que nous allons trouver sur le même ECG? Excellent, bravo. Et je vois que vous avez bien retenu la leçon. Donc, on va trouver des troubles de reposition qui sont communs, qui sont secondaires. Alors, la reposition, si on est vers le ST et le T. C'est pour cette raison que parfois c'est difficile de. C'est pour cette raison que c'est difficile parfois de. Allez, vous avez bien compris. Oui, Reda, en d'autres termes. Oui, Amine, en d'autres termes. Très bien. C'est-à-dire, en présence d'un bloc de branche, ça devient difficile de savoir si ce trouble de reposition est dû à quoi? Au bloc de branche ou à l'ischime? Vous avez compris? Vous avez compris la difficulté quand il y a un bloc de branche pour faire la part des choses. Mais il y a une solution à ça. Je vous donne maintenant, c'est du suspense, mais il y a une solution à ça. Est-ce que d'abord vous avez compris le raisonnement? J'ai un trouble de reposition, je ne sais pas s'il est dû au bloc de branche ou c'est dû effectivement à l'ischime, parce que vraiment la donne va changer. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Comment vous voulez que je vous explique ça? Les troubles de repolarisation sont dus soit à l'ischémie, on appelle ça un trouble de repolarisation primaire. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire c'est dû à un phénomène ischémique. C'est primaire. C'est-à-dire l'ischémie est coupable, le vaisseau est bouché. Parfois, les troubles de repolarisation ne sont pas dus à l'ischémie. On dit qu'ils sont secondaires. Secondaires à quoi? Un mauvais QRS avant. Peu importe ce mauvais QRS. D'accord? Dans notre exemple ici, c'était quoi l'origine du mauvais QRS? Quelle était la cause? Le bloc de branche. Alors, bloc de branche, il va s'accompagner d'un trouble de repolarisation. C'est quoi un trouble de repolarisation? C'est un ST et T qui sont anormes. D'accord. Surface, ça ne sert à rien d'écrire en majuscule, parce qu'on n'est pas arrivé encore à ce stade. C'est un peu prétentieux d'écrire en majuscule. D'accord. Et à la clinique, il y a plein de choses. Juste, patience. Est-ce que vous avez saisi la différence entre un trouble de repolarisation secondaire et primaire? C'est tout ce que je veux à ce stade-là. Ça fait? C'est bon? Yeah.
Maintenant, ce QRS, il va encore s'élargir. Regardez comment il va devenir. Il va s'élargir, mais d'une façon régulière. Comment vous trouvez ces QRS? Sont normaux? Sont larges? Très, très bien. Est-ce qu'ils sont réguliers? Ils sont réguliers. Ils sont réguliers dans la hauteur ou dans la fréquence? Ben, les deux, bien évidemment. Ils ont tous la même amplitude. D'accord. Et ils sont réguliers. Est-ce que vous avez vu? D'accord. D'accord. Est-ce que c'est clair? Alors, cet aspect-là. Regarde, quand c'est très long, c'est-à-dire moins de 42 fréquences cardiaques, l'antenne n'a pas eu le temps d'apparaître. Tellement sur le schéma-là, j'ai dessiné un rythme rapide. Mais quand c'est long, comment on va appeler ce rythme-là? Des QRS larges qui sont réguliers. QRS large, on est bien d'accord, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est clair? Oui. Quand c'est très très lent, c'est-à-dire c'est un rythme ventriculaire très lent, de mauvais. Qui est en train de prendre la commande? Rappelez-vous, on vient de le voir. Dans quelle pathologie on va trouver cet aspect-là, mais avec une fréquence très basse? Quel BAV? D'accord. Comment on va appeler ce rythme-là, ce même aspect, mais très lent? Oui, Wilson. Très bien. Écrivez le RIS. Ah, il y a plein d'exemples. Maintenant, certainement, on va voir beaucoup d'exercices. Ne vous inquiétez. Le RIV. Le RIV, c'est le rythme idio-ventriculaire. Le rythme idio-ventriculaire. Quand la fréquence est de 40 à 120, comment on va l'appeler? Toujours, c'est régulier et du QRS large. Comment on va appeler ça? C'est comme un RIV, mais il est un peu. Accélère. Donc, RIV. Rythme idio-ventriculaire accélère. Il est très intéressant dans quelle pathologie? On va y arriver dans 10 minutes. Dans l'IDM, mais on verra pourquoi. On verra pourquoi. Juste noter. Très important dans le ST+, on verra pourquoi. Sur le schéma que je vous ai montré maintenant, est-ce que c'est un RIV? Est-ce que c'est un RIV ici? Non. Est-ce que c'est un RIVA? Non. Alors, supposons que ici, allez, 135, il faut savoir que quand cet aspect-là dépasse en fréquence 120, nous parlons de quoi? Tachycardie ventriculaire. Si vous avez bien compris, donnez-moi les trois critères de la TZ. Électrique. Allez-y, trois critères. Un, QRS large. Bravo. Deux, fréquence au-delà de 120. Trois, ils sont réguliers dans quoi? Réguliers dans quoi? Dans la fréquence, mais et dans l'amplitude. C'est clair? Et croyez-moi, sincèrement, il n'y a pas plus. Je pense, c'est le trouble du rythme
le méga facile à détecter. Enfin, c'est comme ça. C'est du kérastase qui sont rapides. D'accord? Quand les cuirs sont larges, malheureusement, on va dire, pour faire simple, ils mangent tous les autres complexes. Donc, on arrive difficilement à avoir élan de P et élan de T. Pour répondre à ta question, Fouzia, est-ce que tout TV est grave? C'est grave ce que prouve le contraire. Alors, regardez ma question maintenant. Est-ce que tout TV nécessite le choc électrique? Non. Si elle est stable hémodynamiquement, on peut utiliser quoi? La machine selon le point. Alors, regardez. Vous savez ce qu'on va faire? Écoutez. On va continuer les troubles de rythme et après, on va faire la thérapeutique. Et bon, arrêtez. On va finir les troubles de rythme et après, on joue la thérapeutique. D'accord? Allez. Supposons ce rythme-là, je prends le tracé et je le tords comme ça. Je le tords. Alors que je l'étrangle. Comment va devenir le tracé? Ce tracé-là, comment il va devenir? Est-ce qu'il va rester régulier d'abord dans le temps? Juste, on a tordu. Qu'est-ce qui va changer? Il va rester régulier, sauf que les amplitudes, ils vont. Donc, il va varier. D'accord? Je vous laisse le temps de le dessiner chez vous. Essayez de dessiner le même tracé en haut, mais tordu. Ça va donner quoi? Dessinez, je vous donne la correction et vous comparez. C'est bon, on l'avait dessiné? Non, ça va être comme ça. Juste un exemple. Et ainsi de suite. Ça monte et ça descend et on a l'impression que le cœur tourne. C'est ce que nous appelons. Ce que nous appelons quoi? Torsade de pointe. D'accord. Alors, pour votre information, le mot torsade de pointe, la torsade, c'est un mot français et qui est resté comme ça dans tous les ECG, même dans les autres langues. Toutes les autres langues, ils utilisent le mot torsade pour une fois. Et torsade, ça vient c'est-à-dire de tordre le tracé. J'ai tordu le tracé. Quelle est la première cause des torsades de pointe? Avant d'arriver à l'hypogonisme, quelle anomalie électrique va donner la torsade de pointe? Non? Oui, Ahmed, bravo. C'est les allongements du QT, chose que vous faites très rarement dans vos interventions. Vous oubliez le QT, on va y arriver. C'est les allongements du QT. Et parmi les causes des allongements du QT, il y a quoi? Ça a été écrit dans le chat. La plaque inénarrative, c'est l'hypomagnésie. Très, très. Chauffe, écoutez, toutes les hypos donneraient probablement un QT long, mais surtout l'hypomagnésie. Donc, quel est votre réflexe devant une torsade de pointe? Quelqu'un qui vient, il est en hypoperfusion, hypotendu, vous recevez dans votre cabinet, vous trouvez un ECG, il a une torsade de pointe.
Avant d'arriver à l'hôpital, il faut donner du magnésium. Vous ne pouvez pas voir l'QT sur une torsade de poing. Est-ce que sur une torsade de poing, vous allez voir l'QT? Il y a que du cœur, ça mange tout. Si on ne fait rien, ou parfois chez certains patients, le QRS il devient comme ça. Large et irrégulier dans le temps et l'espace. C'est quoi l'aspect là? C'est là, fibrillation. Et là, obligatoirement, le patient, il est déjà en arrêt cardiaque. Si on fait absolument rien, ça va se transformer à ça. C'est quoi ça? C'est la systolique. Alors, question pour un champion. Oui, donc c'est exactement ça. Alors, écoutez. Oui, Driss, mais bon. Écoutez, question pour un champion. Est-ce que c'est normal de trouver ça et ça sur un ECG? Pourquoi? Parce qu'on est passé à côté du diagnostic de l'arrêt cardiaque et nous, on se permet de faire le siège. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas le ECG qui diagnostique l'arrêt cardiaque, c'est la clinique. Si vous trouvez ça sur un ECG, c'est grandissime connerie. Vous avez compris? C'est une connerie, c'est la connerie du siècle de trouver une fibrillation et un tracé sur ça. La systolie, c'est l'un des mécanismes de l'arrêt cardiaque. Ce n'est pas un topo d'arrêt cardiaque, je ne peux pas détailler plus. C'est bon? C'est bon? Alors écoutez, tout à l'heure, on a parlé de la TV. Quand vous avez une TV, que faut-il vérifier rapidement? Qu'on soit clair, la torsade, ce n'est pas bon. C'est bon? Il n'y a pas de doute. La fibrillation, ça, c'est la pire. La systolie, c'est pire. On a un doute en quoi? Sur la TV. Et la TV, pour la classer, je cherche, est-ce qu'il y a un pot? Allez, vous avez compris maintenant. Deux cas de figure. Oui, il y a un pot. Qu'est-ce que je demande là-dessus? Je vois l'hémodynamique. D'accord? C'est bon. Je donne quoi? Pharmacologique. Vous vous rappelez? Un antiarrhythmique. C'est pas bon. C'est la cardioversion, le choc électrique. Il n'y a pas de pot. Ça rejoint quoi? C'est comme si on va traiter une. C'est comme si on va traiter une. Une fibrillation. Je ne veux pas détailler ces aspects parce que ce n'est pas un topo sur l'arrêt cardiaque. D'accord? Mais c'est juste quelques pistes de réflexion. Ça marche? Dernière chose, quand vous êtes aux urgences, à mon avis, il faut maîtriser quatre grands troubles du rythme. Prenez un tableau avec trois lignes. Faites comment? Faites trois lignes. Et trois colonnes.
Et on a plusieurs tribus, mais je pense les quatre qu'on va voir là, c'est les principaux à ne pas rater aux urgences. D'accord? Oui, Néwen, j'ai bien dit oui. Alors, on va raisonner en fonction de quoi? Je me perds d'une situation urgente et je dois diagnostiquer mon trouble de rythme. Je vais raisonner en fonction de quoi? Voilà, le QRS est la régularité. Donc, vous mettez ici QRS. Fin, QRS large. OK. Et si vous mettez rythme régulier, ici rythme irrégulier. Ça marche? Alors, quel est ce trouble du rythme qui va être ici? C'est rapide, QRS fin, mais c'est régulier. On est ici. Allez. Ça peut être quoi? Un QRS fin, rapide et régulier. Tachycinusa, ce n'est pas une anomalie. Allez. Je parle des troubles du rythme qui risquent de nous déranger. Ça peut être une TJ, surtout une TJ, qu'il ne faut pas rater. Ça peut être aussi un flutter. Ça peut être aussi un quoi? On a vu tout à l'heure. DAB proximal. On verra. Mais surtout ces deux-là. D'accord? Surtout ces deux-là. C'est-à-dire des choses à ne pas rater. Qu'est-ce qui va être ici? Un trouble du rythme grave qui reste large et le rythme est toujours régulier. C'est plutôt une TV. Ça marche? Qu'est-ce qui va être ici? Des QSM, mais c'est irrégulier. Niveau QRS large, ça va être quoi? C'est irrégulier, c'est large partout, c'est une fibrillation ventriculaire. Ah bon, Néo? Si tu le dis. Néo, tu veux que je te tue? C'est bon? Amine. Et moi, on a dit que la torsade, le rythme reste régulier. C'est bon? Alors maintenant, je vais chercher un truc. Deux secondes, s'il vous plaît. J'arrête d'abord le partage ici. Alors, vous pouvez répondre toujours sur le chat. Conversation, Léo. Alors, les amis, quel est votre diagnostic sur le CG à gauche? Alors, Diallo, ils changent d'amplitude, mais ils sont réguliers dans la survenue du QRS. Diallo, tu m'as écouté, tu m'as entendu? C'est l'amplitude qui change, mais ils sont réguliers quand même.
Très bien. Alors déjà, c'est un sujet qu'on ne peut pas interpréter. Nous avons un souci sur la vitesse de déroulement. Et on a déjà, si je n'avais pas fait attention, je vais conclure à quoi? Un BAV, un bloc de branche, etc., etc. Très bien. Alors celui-là. Quel est votre diagnostic? Le CG à gauche, à votre gauche. Très bien. Et là, il faut faire attention au voltage. Exactement, vous avez un voltage qui n'est pas bon. Très bien. Donc, les réflexes, ils sont ancrés. C'est une excellente chose. Alors, celui-là, je vais diminuer le zoom. Quel est votre diagnostic? Rapide. Hein? Vous pensez que c'est un flûteur? Est-ce que ça peut être un flûteur, ce patient? Est-ce que ça peut être un flûteur? Pourquoi c'est non? Le rythme est irrégulier. Est-ce que vous arrivez à avoir des ondes P? Vous avez hésité, donc il n'y a pas d'onde P. Votre diagnostic est clair. De quel? C'est une ACFA tout court ou on peut rajouter autre chose? C'est une tachyacèphale. Très bien, parce que le rythme il est rapide. À combien vous estimez la fréquence cardiaque chez ce patient? Comment vous avez fait? Très bien, Nawal. On a pris sur trois intervalles et on a pris une absence sur 6, environ 6, 6 et demi. Donc c'est environ 107. Très bien. Est-ce que vraiment c'était difficile de reconnaître une ACF? Alors, à partir de cet instant-là, on n'avait aucune excuse pour rater l'ACF. Vous laissez une ACFA tourner dans la nature, rouler dans la nature, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne diagnostiquez pas que le mec ou la patiente vient pour des palpitations, fatigabilité. Voilà. Bonjour les thrombus. Ça peut être dans les reins, ça peut être dans le cerveau, dans les membres, plein de choses. Faites attention. Le tracé à votre droite. Allez, facile. À votre droite. Quel est votre diagnostic? Quel est votre diagnostic? C'est à quelle dérivation vous l'avez diagnostiqué? On ne dit pas la barre longue, mais la bande longue. Bande, la bande longue. Qu'est-ce que vous remarquez sur la bande longue? On voit bien que quoi? Le PR ici, puis il augmente, puis il. Ici, il fait quoi? Elle bloque. Ensuite, petit, il augmente, puis elle bloque. C'est l'aspect typique de quoi? Excellent, c'est un 3 sur 1. Non, c'est un 3 sur 1, vous êtes sûr? Moi, je dis c'est un 3 sur. Moi, je dis c'est un 3 sur. Au contraire, moi je dis c'est un. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est un 4 sur. Non, non, non.
J'ai pas dit, hein. Je vous ai bien dit que nous sommes optimistes. C'est un 4 sur. Allez, c'est un 4 sur 3. Wow. Ça veut dire quoi, 4 sur 3? Sur ces 4-là, il y a 3 qui passent et la dernière, elle est bloquée. C'est bon? J'ai bien dit le deuxième chiffre, c'est le nombre de P qui passent. Donc, chez ce patient-là, c'est un 4 sur 3. À votre droite. À votre gauche, pardon. Quel est votre diagnostic? Votre Parkinson, ouais. Je ne sais pas comment tu l'as fait. On voit bien que quoi? On voit bien que les QRS sont larges. Où ça? En V1 et V2. Et on voit bien que ça s'accompagne de quoi? On regarde, V1, V2, un peu V3. Ça s'accompagne de troubles de reposition secondaire. Et aussi, rappelez-vous de le S profond en V5 et V6. D'accord? À votre droite, c'est quoi? On ne la voit pas, tant pis. À votre droite, c'est quoi? Très bien. Alors, dernier exemple. C'est quoi à votre gauche? Qu'est-ce que vous remarquez? Les QRS larges, très très bien. Ils sont assez larges, c'est bien. C'est large partout ou sur quelques dérivations? Vous êtes sûr que c'est une TV? Alors, si c'était une TV, ça va être large partout ou quelques dérivations? Partout, d'accord? Regardez la différence. Qu'est-ce que vous voyez maintenant à gauche? Franchement, vous me tuez quand vous parlez de choses que je n'ai même pas dit. Quelle était la différence par rapport à le tracé d'avant? C'est le QRS large partout, d'accord? Ils sont comment? Ils sont réguliers et irréguliers, là à gauche. Ils sont réguliers dans quel sens? Dans les deux sens, regardez, c'est régulier dans la hauteur à peu près. Et donc, on voit bien que c'est quoi? C'est quoi? C'est une T. On passe à droite. Notre diagnostic ne fait pas défaut. Begging. C'est quoi? Pourquoi vous dites que c'est une torsade? Ça reste régulier, mais les amplitudes changent. C'est clair? Vous ne pouvez pas rater une torsade de points, c'est impossible. C'est comme le tracé des séismes, c'est comme ça. Ça descend, ça avance, ça descend, ça avance.
je suis sûr que vous n'allez jamais pouvoir rater une torsade de pain. Jamais. Autant que les autres animaux, c'est très, très simple. Donc, ça nous a pris plus de temps que d'habitude. Fibrillation, on a dit que c'est irrégulier dans tous les sens. Et le mal est déjà en arrêt cardiaque. Donc, je finis par cette histoire-là des astuces. Je finis sur ça et demain, on va finir, Charles. Quand vous avez des troubles de du rythme ou de la conduction, il y a six grandes causes. Lesquelles? Quelles sont les causes d'une façon générale? Ischémie. Quoi d'autre? À la tablette, oui, merci. Je croyais que j'étais en train de... Hello, ma tablette, voilà, je partage. Avec la diffusion. On voit le côté. C'est bon? Alors, les causes des troubles de rythme et de la conduction. L'USV, on va le voir demain. Alors, ischémique. Quoi d'autre? Inflammatoire. Comme les endocardites, comme la maladie de Lyme. Quoi d'autre? Alors, tout ce qui est métabolique, nous allons le noter comme ionogramme. Quoi d'autre? Les intoxications, c'est clair. Parfois, les patients, ils peuvent se tromper de quoi? Des produits aux médicaments. D'accord? Et nous allons appeler ça iatrogène. Et quand on ne sait pas d'une étiologie, on dit qu'elle est idiopathique. Ça, c'est valable pour tout le trouble du rythme et de la conduction. Voilà, c'est la règle des six. La règle des six. C'est bon. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui fait ça sur un ECG, faites bien un interrogatoire sur l'ischémie, faites un bilan sanguin, recherchez s'il n'y a pas de quantité d'intoxication, cherchez ce qui ne prend pas des médicaments, etc. etc. C'est bon pour les saisies? L'hypothermie, c'est les profondes. Je ne pense pas que tu vas trouver une hypothermie en cabinet. Si vraiment, il faut que ce soit très profond. C'est bon? Donc, demain, on va finir, on fait le SP. On finit rapidement par le TLQT. Et bien sûr, finir par les cas cliniques, les exercices, et enfin les cas cliniques de simulation, de télésimulation. Donc, demain, ça va être le dernier jour pour me débarrasser de moi, pour vous débarrasser de moi, et voir tant mieux. C'est le même lien, c'est le même horaire. Et on aurait fait, Inch'Allah, 10 heures de challenge. Voilà. Mercredi. J'aimerais bien que vous, alors, si vous voulez me faire plaisir, si vous pouvez vous prendre avec vos ECG en train de les interpréter, ça ferait plaisir.
Chacun se prend en photo avec un ECG, mais l'on voit. Vous allez voir, avec les cas cliniques, c'est top. Vraiment top, c'est vraiment l'apothéose. Je pense même, bon, toutes les parts sont très importantes, mais demain, c'est vraiment la consécration. Ça marche? Et à la bonne soirée, et à demain, 19h30, pile. Ne ratez surtout pas de là. Et alors,